Deux ans de tragédie, il y a quasiment deux ans, jour pour jour, débutaient les premières manifestations contre le pouvoir syrien. Depuis, le pays s'est enfoncé dans une guerre civile particulièrement meurtrière, plus de 70 000 morts selon les Nations Unies, plus d'un million de réfugiés. Combien de temps encore le peuple syrien va-t-il vivre ce calvaire? L'après Bachar al-Assad a-t-il déjà commencé dans certaines régions du pays conquises par les rebelles? Bienvenue à tous. Trois invités avec nous ce soir dans Maghreb Orient Express. Christophe Ayad, reporter au journal Le Monde. Bienvenue à vous. Vous rentrez de Syrie. Vous avez réalisé des reportages dans deux villes, Atareb et Atmeh, villes conquises par les insurgés. Merci d'être avec nous. Henri Laurence, bienvenue à vous également. Vous êtes historien titulaire de la chaire d'histoire du monde arabe, d'histoire contemporaine du monde arabe au Collège de France. Histoires orientales, c'est votre nouveau livre. C'est paru chez Sinbad Actes Sud. Marie Sera, bonsoir. Vous êtes écrivaine. Vous avez réalisé un documentaire qui s'intitule Damas au péril du souvenir. Vous êtes née en Syrie, vous y êtes retourné pour votre film après de longues années d'exil. Tout de suite, un extrait de Damas au péril du souvenir. لا تفكر لي حالك عايش على الدنيا الدنيا تسعى إلى كلي تسعى الناس كلها ما حد يعطاك الحق إنك تستفرد كل شيء Des civils pris dans l'étau, Marie Sera, on a l'impression que ni les forces gouvernementales ni les rebelles sont en mesure de l'emporter militairement sur le terrain. Quelle est aujourd'hui, près de deux ans après le début du soulèvement, votre plus grande crainte ? Que ça dure des décennies. Des décennies, c'est beaucoup. Moi, je crois que c'est possible. Comment vous l'expliquez ? Ça vous surprend ? Non. Quand personne n'arrive à prendre le dessus, ça peut continuer parce que les Occidentaux ne veulent pas aider les opposants, les Russes continuent. On ne voit pas comment ça peut s'arrêter. Il y a des armes qui rentrent, mais dans le chaos actuel, qui gère quoi, je ne sais pas. Moi, je suis en tout cas très pessimiste. Christophe Ayad, vous rentrez donc de Syrie, vous avez réussi à rentrer dans le pays, alors dans deux villes, Atareb qui se trouve près de la frontière turque, Atareb qui se trouve entre Alep et Idlib, c'est ça, et puis la ville d'Atmeh, des villes contrôlées par les insurgés. Que vous disent les Syriens, justement? Est-ce qu'ils vous disent, comme dit Marie Sera, finalement les Occidentaux nous ont abandonnés? Oui, ça, ils le disent. Et ils le disent sur tous les tons, avec ironie, avec désespoir et colère. Ils ont eu l'impression qu'on leur a promis de l'aide et qu'on ne cesse de repousser le critère qui fait que cette aide doit être débloquée, qu'elle soit militaire ou humanitaire. Parce que, effectivement, ces promesses en termes d'aide humanitaire n'ont pas été tenues non plus. Pour plein de raisons, bonnes, mauvaises, administratives, ce qu'on veut, etc. Mais eux, ce qu'ils voient, c'est le résultat. Mmh. Le résultat, c'est qu'à chaque fois, on leur dit « libérez-vous et on vous aidera ». Et puis alors, il y a des villes comme Atareb, notamment, mais j'étais dans d'autres, dans la province d'Idlib, où les gens se sont libérés, mais ils ont élu même un conseil municipal. Ils ont essayé de mettre en place des institutions, mais très vite, ces institutions, ces élus n'arrivent pas à gérer une situation terrible où on manque de mazout, on manque de farine, on manque la ville est à moitié détruite par les combats ou par des mois de bombardements. Certes, elle est libérée, mais il n'y a plus un seul réservoir d'eau potable. Alors la France a aidé, par exemple, un peu à Tareb à reconstruire des réservoirs. Mais entre le moment où on dit qu'on va faire et puis le moment où on voit arriver une aide concrète, c'est-à-dire de l'argent ou bien des matériaux, du ciment, de la farine, de l'huile, n'importe quoi, il se passe parfois des mois et pendant ce temps, les gens s'impatientent et commencent à s'énerver contre leurs propres élus. Donc, font des manifestations, les autres ne savent pas comment réagir, tirent en l'air. Et là, c'est un peu le drame. C'est qu'on découvre qu'on s'est libéré de Bachar al-Assad pour avoir des élus qui font tirer en l'air pour disperser les manifestations. Donc, c'est là que je trouve
que l'Occident, ou du moins l'Ouest, ou ceux qui ont promis une aide, portent une très très grave responsabilité parce qu'ils sont en train de saper le terrain sous les pieds de ceux qui essayent de maintenir un ordre civil et de des institutions, aussi un désenchantement quand voilà même, des institutions représentatives. Donc finalement, si la démocratie ce n'est rien, si la dictature c'est insupportable, qu'est-ce qui reste? L'anarchie ou le règne de Dieu? D'où la montée des groupes salafistes, religieux, etc. Henri Laurence, vous êtes historien, donc vous êtes un spécialiste reconnu de cette région, la Méditerranée, le Levant, depuis le XVIIIe siècle. Qu'est-ce qui se joue aujourd'hui en Syrie ? Il se joue beaucoup de choses, bien évidemment, ce qui rend compliqué la situation. D'une part, vous avez une affaire proprement syrienne, et puis d'autre part, vous avez une interaction sur le champ des relations international, c'est d'ailleurs cette interaction sur le champ des relations internationales qui fait durer le conflit, puisque le régime syrien reçoit une aide extérieure de la Russie, de l'Iran, le Hezbollah envoie des combattants le soutenir, etc. Et en même temps, les Occidentaux ne se trouvent pas dans la position où ils se trouvaient face à la Libye. C'était facile, c'était proche, il n'y avait pas d'obstacle géopolitique. Et puis en plus, vous avez l'ombre du conflit israélo-arabe qui se manifeste ces derniers jours. On l'a vu sur le Golan. Donc il y a tout un écheveau d'accords, de compromis, etc., qui risque d'être remis en cause. Et puis il y a les répercussions sur le Liban. Enfin bon. Mais alors tout de même, Henri Laurence, au début des printemps arabes, je dis bien des printemps arabes, on entendait souvent Ben Ali est tombé. Après on disait Moubarak ne tombera pas. Finalement il est tombé. Muammar Kadhafi, c'est la même chose. Et certains ont dit Bachar al-Assad tombera. Force est de constater, Christophe Ayad, vous consacrez un article à cette question. Le pouvoir syrien dure. Comment peut-on l'expliquer? Parce qu'il s'est réduit à la force pure. Il n'a plus d'autre légitimité que le bout du fusil, du canon, de l'avion, du napalm et tout ce que vous voulez. On a rarement vu un régime aussi destructeur de sa propre société, de sa propre population. Ça, c'est ce qu'on dit dans ces villes libérées, Christophe, Ayad. Mais je crois que les Syriens ne sont pas surpris. Ils savaient que ce pouvoir se battrait jusqu'au bout. Le problème pour eux, c'est que s'ils s'arrêtent aujourd'hui, ils se préparent des décennies d'esclavage. Ils savent ce qui s'est passé après Hama. Hama, 10 à 20 000 morts en 1982, en un mois. Et après Hama, on a... 48 heures. Voilà, en trois semaines, disons. On a réduit au silence la société syrienne qui a été déprimée, tous ceux qui ne sont pas partis en prison, sont partis en exil. Donc, c'est-à-dire le mur de la peur est tombé. Si on s'arrête là aujourd'hui, on va vivre encore 50 ans de calvaire. Mais à quoi bon s'arrêter là? Puisque d'une certaine manière, c'est mourir tout de suite pour peut-être avoir les libertés ou mourir de toute façon parce que la Syrie sera un immense cimetière démocratique, politique, psychologique et personnel. Marie Serra, tout de même, ça veut dire que le pouvoir syrien n'a plus aucun soutien dans la population? Mais si, bien sûr qu'ils ont des soutiens. Ils ont, je ne veux pas commencer par les chrétiens, mais commence par les druzes, parce que récemment, à Souaïda, il y a eu des histoires. Les druzes ne sont pas du tout avec la révolution. Moi, j'ai vu un documentaire où il y a un cheikh druze dans sa grosse maison avec ses plantations à Souaïda qui ne supportait plus qu'on lui tire dessus inopinément comme ça, sans raison. Il y a une grosse majorité des chrétiens. Les Kurdes, ça vacille. Alors, vous êtes donc retourné, Marie Serra, en Syrie pour acheter, prétextez-vous, une maison. Finalement, il y a tout le passé qui ressurgit, votre histoire personnelle. Rappelons que vous êtes la veuve de Michel Serra, qui a été tué au Liban en 1986. On regarde un extrait de votre documentaire. Protégé par le pouvoir alaouite, les chrétiens ont le vent en poupe. Mais pour combien de temps encore? Je les entends louer Bachar el-Assad. Je dois t'avouer qu'ils disent tout haut ce que je pense tout bas. S'ils partaient, le soir même, les règlements de comptes et les massacres seraient notre inévitable destin. Tu dois être affolé de m'entendre parler comme ça. Après tout, tu n'as qu'à ne pas écouter.
Gabriel, mon grand-oncle, est mort ici, à Alep, derrière ses murailles. Comme toi, il est mort dans son cachot. Vos gémissements ne cessent de me parvenir. Emprisonné, assassiné pour avoir voulu établir une grande nation laïque pour les Arabes. Hypocrite et lâche, vos geôliers prétendirent que l'arrêt de vos cœurs mit fin à vos jours. Alors Marie Sera, on parlait de la communauté chrétienne à l'instant. Pardonnez-moi, mais j'ai l'impression que vous êtes quand même très dur avec cette communauté qui est la vôtre, entre guillemets. Vous avez publié une tribune en septembre 2011 qui avait fait couler beaucoup d'encre. Pourquoi est-ce que vous axez sur cette question-là, en fait, finalement? Alors c'est peut-être beaucoup plus compliqué que prévu. Certains chrétiens doivent dénoncer le régime. Je ne comprends pas très bien votre question, pourquoi je m'axe sur la question des chrétiens. Parce que je suis issue de cette communauté et ma première référence, c'est ma communauté avant ma citoyenneté. Enfin, ça dépend des jours. L'être humain est très complexe. Bon, moi, j'ai très mal supporté que les chrétiens se sont tus pendant des mois et des mois et ça continue. Bon, on sait qu'il y a des combattants, on sait qu'il y a des opposants, mais la grande majorité des chrétiens marchent avec le régime. Bon, ils ont été instrumentalisés, ils ont peur. Mais moi, je vis très mal cette dichotomie. Ils ont peut-être des raisons, non, quand on voit le sort des chrétiens en Irak, quand on voit le sort des chrétiens dans la région. Oui, mais je pense que c'est la marche de l'histoire. Personnellement, je pense que les chrétiens n'ont plus aucun avenir en Orient. Et on n'y peut rien. Ce n'est pas en prenant position pour un boucher, un dictateur aussi abject qu'ils vont sauver leur peau. Alors, Laurence, plus d'avenir pour les chrétiens en Orient? Par définition, je ne ferai pas de prédiction. J'ai déjà beaucoup de mal à prédire le passé. Non, il y a une situation dramatique. En effet, il y a eu le choc psychologique de la quasi-destruction de la communauté chrétienne irakienne. Évidemment, ça s'est répercuté sur l'ensemble des autres chrétiens d'Orient. Il y a toujours eu une peur dans cette communauté chrétienne, une peur des musulmans, une peur des frères musulmans et des islamistes, et vous en parlez entre quatre yeux, et vous disiez on soutient le régime parce qu'il nous protège. Et puis il y a une stratégie suicidaire, à mon avis, qu'on appelle là-bas l'alliance des minorités, qui constituerait un projet entre les chiites au Liban, manifestez pas le Hezbollah, les chrétiens de Michel Aoun, les communautés syriennes non sunnites, etc. Alors, le paradoxe, c'est ceux qui se prétendent être défenseurs du nationalisme arabe ou d'une version unitaire des sociétés qui ont toujours accusé Israël de vouloir fabriquer des États communautaires et de jouer sur les fragmentations communautaires, ben, sont ceux-là même qui jouent cette alliance des communautés contre ce qui est à la fois un fantasme et une réalité, c'est-à-dire la masse sunnite de la population. Alors, puisqu'Henri Laurence parle de fantasmes, Christophe Ayad, j'aimerais aborder la question de ceux qu'on appelle, je mets des guillemets, des djihadistes, on les appelle les salafistes. Vous étiez sur place. On parle beaucoup depuis plusieurs mois de la part prépondérante de ces combattants-là. Qu'en est-il? Prépondérante, c'est pas le mot, mais oui, ils sont là. Oui, ils sont nombreux. Majoritaire, je ne saurais pas le dire. Je ne crois pas. Mais alors, en faire un corps étranger à la société syrienne, c'est faux. Parce que beaucoup de ces groupes recrutent parmi les Syriens locaux. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des villages où il y a plusieurs brigades qui cohabitent, dont les brigades islamistes qui sont composées de jeunes locaux qui, il y a 6 mois, 1 an, ne portaient pas de barbe. C'est juste qu'il y a un phénomène accéléré, effectivement, d'islamisation dans la... alors, quand vous dites dans la rébellion, quand vous dites prépondérant, pourquoi? C'est parce que je pense qu'ils sont mieux organisés, plus honnêtes. Il n'y a pas de pillage, pas de vol. Plus honnête, vous reprenez le mot, c'est ce que dit d'ailleurs un des combattants de l'armée syrienne, qui dit « Je suis de l'ASL, mais je conçois, enfin je le dis, ils sont plus honnêtes que certains autres rebelles. » Parce que on est en train de s'installer dans une économie de guerre, donc il est évident qu'il y a des phénomènes de détournement, de vol de raquettes, de revente, de marché noir, etc. Et que les islamistes, bon, ont une motivation qui est supérieure ou transcendante, ce que vous voulez, mais enfin, ils combattent pour Dieu, pas pour l'argent. Donc, évidemment, ça les rend moins... ils ont auprès de la population une aura nettement plus,
plus propres, plus honnêtes. Et en cas de conflit, on vient les chercher. Mmh. Par exemple, quand il faut garder la boulangerie, qui est le lieu souvent absolument stratégique du village, parce que c'est, la boulangerie sert pour tout le monde. Mmh. 100 000 dans la personnes, conflit, celle que vous évoquez, 100 000 personnes. Voilà, 100 000 personnes en vivent dans la région de Atareb, 40 000 en ville et le reste dans les villages alentours. On l'a confié aux islamistes parce qu'ils feront pas du business avec. Et parce que 75 000 litres des mazouts qu'il alimentait ont été dérobés, justement. C'est pour ça que c'est posé la question par qui, de la comment tout ça est assez humain. Donc, bon, voilà, les islamistes profitent aussi des carences des autres. Mais je pense qu'ils profitent, et c'est là où on en revient à ce que je disais sur l'aide occidentale, c'est qu'ils profitent de l'absence d'aide. Il n'y a rien à manger. Bah, ils répartissent un peu mieux le peu qu'il y a à manger et un peu plus honnêtement. Deuxièmement, au combat, ils sont extrêmement courageux. Ils disposent de combattants étrangers qu'ils utilisent comme des bombes humaines, littéralement. Alors, il y a certes des attentats à Damas qui terrorisent la population, mais il y a aussi des attentats sur les checkpoints, les barrages de l'armée qui terrorisent les militaires. Aujourd'hui, dans la province d'Idlib, dans le nord, il n'y a plus de barrages de l'armée sur les routes. Pourquoi ? Parce qu'ils en ont marre de voir débarquer un type dans une voiture qui se fait sauter et qui fait sauter tout le barrage. Donc, ils ont peur. Donc, évidemment que les islamistes sont bien vus parce qu'ils réussissent à obtenir des victoires. Marie Sora, comment est votre projet finalement assez fascinant? Vous y êtes allé donc alors que les manifestations avaient déjà commencé. C'est un projet qui avait... Non. Bien avant. C'est un projet qui a débuté en 2009. Je voulais faire quelque chose sur le nouveau visage de la vieille ville de Damas. C'était un projet d'architecture et d'urbanisme, d'où cette quête de maison. Qui dit maison dit habitant, qui dit habitant dit communauté religieuse, parce que la vieille ville de Damas est divisée en trois, chrétiens, musulmans et juifs. Donc la question communautaire était donc politique était en sourdine. Le film était monté, écrit, terminé au début des manifestations de la révolution. Bon, moi, je ne pouvais pas sortir un film pareil. Je voulais le caler dans une histoire immédiate. Donc, j'ai automatiquement réécrit tout, remonté tout. Et comment politiser une histoire avec des maisons ? C'est compliqué. Et c'était très compliqué. Alors, du coup, je me suis rappelé les discussions que j'avais avec Michel, mon mari. Lui a beaucoup écrit sur la Syrie. Bon, il réfléchissait comme un chercheur. Et moi... très conflictuel avec lui à l'époque, c'était très émotif. Je me suis dit, pour politiser cette affaire, il faut m'adresser à lui. Donc, la question communautaire, au lieu d'être sous-jacente, est devenue prioritaire, parce que pour moi, c'est quand même... issu d'une communauté chrétienne, je ne pouvais pas... ne pas commencer par ça. Et je sais que le film est politiquement incorrect parce que quand vous êtes en pleine révolution, c'est assez mal vu de parler de sa propre communauté. Il fallait mettre au départ l'entité ou l'appartenance à la Syrie de façon inébranlable. Or, moi, je n'ai pas du tout attaqué le problème comme ça. C'est venu du point de vue communautaire. Donc, voilà la genèse de ce film. C'était un film sur l'architecture qui est devenu ce qu'il est. Alors, on parlait tout à l'heure, Henri Laurence, des acteurs internationaux dans ce conflit. Toujours dans un des reportages de Christophe Ayad, il y a finalement un interviewé qui dit « L'argent envoyé par les pays du Golfe a tout gâché, ça a causé des disputes. Chacun veut toucher finalement son fonds, son salaire. » Vous, quel est votre regard sur l'intervention du Qatar dans ce conflit ? Bon, j'en sais strictement rien. Je sais que simplement ce que rapportent des gens comme Christophe, que le Qatar joue un certain rôle, apporte des financements, c'est selon eux toute vraisemblance. Quelle est la somme, par quel circuit ça passe, je ne sais pas si les chercheurs le sauront dans un siècle, si des archives permettront de le déterminer, si des témoignages... apparaîtront. Et puis, le rôle du Qatar ou de l'Arabie saoudite, c'est autant du fantasme que de la réalité. Il y a des gens qui construisent le complot qatari, le complot saoudien, et ainsi de suite. Mais tout de même, Christophe Ayad, est-ce que le fait d'avoir armé les rebelles
très tôt. Est-ce que certains le dénoncent en Syrie? Est-ce que certains Syriens regrettent que la carte pacifiste n'ait pas été jouée jusqu'au bout? Ou est-ce qu'ils vous disent à un moment donné, quoi qu'il arrive, il fallait prendre les armes face aux avions? Là-dessus, les gens sont assez réalistes. Il y a des gens qui regrettent, tout en disant, de toute façon, on ne pouvait pas faire autrement. Ouais. On ne va pas se faire massacrer. Ça a duré 6 mois. Au bout de 6 mois, on s'est dit, ça suffit. Et puis, il y a eu le phénomène des déserteurs. Donc, dire que c'est le Qatar et l'Arabie saoudite qui ont armé les rebelles, c'est faux. Ça a commencé par des déserteurs qui sont rentrés à la maison et qui ont essayé, avec leur Kalachnikov, de défendre leur village. Après, sont rentrés des acteurs extérieurs, etc. Mais je vous assure que l'aide, il y en a, et en même temps, elle n'est pas. Sous quelle forme elle passe? Il y a des salaires de combattants, il y a mais c'est pas non plus prépondérant. Moi, j'ai pas vu d'armes lourdes. Ça pouvait durer des dizaines d'années, c'est peut-être pas faux. Au mois de juin, peut-être que les pays amis de la Syrie vont donner des armes anti-aériennes, des armes de défense. J'en sais rien, il faut leur demander. Mais oui, ça peut durer des dizaines d'années, parce que le drame, c'est que. C'est ce que dit ce rebelle Abou Mahmoud, avec qui je parlais, qui est un combattant qui avait un petit groupe et qui a décidé de déposer les armes. Il le fait de manière un peu provocante, mais il dit quoi? Il dit, si Bachar meurt demain, la guerre continuera. La guerre continue. Et c'est la preuve d'un échec. C'est-à-dire qu'il s'est mis en place des dynamiques qui font que la chute du régime n'est plus le seul problème aujourd'hui de la Syrie. Il y a des haines entre nous, des haines intercommunautaires, il y a des peurs, il y a des questions de vengeance, il y a tout l'appareil sécuritaire. Bachar, c'est une personne, mais derrière lui, il y a combien? 200 000, 2 millions de personnes qui participent d'une certaine manière de l'appareil répressif. Disons, on est plus proche de 200 000 que de 2 millions, mais c'est beaucoup quand même. Si vous comptez leur famille, vous êtes à 1 million facilement. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là demain? Bon, si Bachar était tombé très rapidement, mais là, il y a eu tellement d'horreurs commises qu'il va falloir les juger. Oui. Comment... La réconciliation nationale et sa radio. Très vite, peut-être, Sarah Moon, vous rentrez du Liban, vous y avez passé 3 mois. Quelles sont les répercussions du conflit syrien au Liban? On en parle tous les jours, on essaie finalement d'esquiver la question. Il y a un grand problème de réfugiés, il y a les hôpitaux non plus, l'hôpital de Tripoli est saturé. Il n'y a plus d'antibiotiques, il n'y a plus rien. Non, c'était... Et puis, il y a beaucoup de ce que je trouve scandaleux, il y a beaucoup de ministres et de députés qui veulent les renvoyer chez eux. Et ça, c'est vraiment un comble, c'est vraiment scandaleux. Oui, les répercussions sont énormes. Il y a donc les combattants Hezbollah les Hezbollah qui combattent en Syrie. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Alors, on va terminer cette émission avec un épisode de la série intitulée 2 minutes pour la Syrie. Ces épisodes seront diffusés ces prochains jours sur TV5 Monde. Ils seront également projetés vendredi prochain à Paris, le 15 mars très exactement, au Panthéon, 2 ans jour pour jour après le début du soulèvement en Syrie. Ce sera l'occasion d'une nouvelle vague blanche pour dire stop. Me voici devant tous, un homme plein de sens, connaissant la vie et de la mort ce qu'un vivant peut connaître, ayant éprouvé les douleurs et les joies de l'amour, ayant su quelquefois imposer ses idées, connaissant plusieurs langages, ayant
Voilà, réalisé par Béatrice Soulet et Sarah Moon. Marie Sera, je dis bien Marie Sera, merci à vous d'avoir participé à Maghreb Orient Express. Merci Christophe Ayad et merci Henri Laurence. On se retrouve quant à nous dimanche prochain pour un nouveau numéro de Maghreb Orient Express. D'ici là, on attend vos commentaires, vos réactions sur la page Facebook de l'émission et sur Twitter @TV5MondeMOE.